La pandémie a fait surgir des difficultés dans le secteur de la santé et ont mis en lumière la nécessité d'élargir les effectifs en santé. La Cité a répondu à l'appel et s'est associée avec notre résidence Saint-Louis pour mettre sur pied une classe vivante conçue pour accélérer la formation des nouveaux préposés de soins de la personne dans la région. Sophie a fait partie de ce cours accéléré et a pu continuer son parcours ici même à la résidence. Pour célébrer la Journée nationale des préposés de soins personnels, nous sommes venus voir comment les choses se passent. J'ai commencé mes cours ici du début jusqu'à la fin. Les laboratoires pratiques se faisaient ici même à la résidence. On avait l'opportunité de visiter les différentes unités. Je connaissais déjà plusieurs résidents, donc pour moi, la transition, et puis j'ai fait mon stage ici, donc... L'apprentissage, c'était plutôt comme une continuité de ce que je faisais en stage, mais là, sous forme d'employé. J'ai tout de suite commencé mon corps de travail à venir en aide aux résidents, que ce soit pour les nourrir, les habiller, donner leurs soins personnels. Des fois, c'est seulement pour jaser avec eux, interagir. Pour moi, ma partie préférée, c'est de juste voir que j'ai pu apporter un sourire à un résident, juste avoir pu rendre sa journée un peu plus ensoleillée, juste pouvoir lui donner un coup de main, que ce soit des petites choses ou n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment l'interaction entre le préposé et moi-même. Pour moi, c'est ça qui me fait le plus chaud au cœur.